Good morning! Allez, Iden Lesus aujourd'hui, le Nishma de Richard Ron Ben Fortuné Mazal et Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions la Sechet Yoma, Perek Aleph, Mishnah Bet. Kol Shivat Ayamim, hu zorek et Haddam, ou Maktir et Aktoret, ou Metiv et Anerot, ou Makriv et Arosh, et Aregel, ou Shar Kol Ayamim, Imratza la Akriv, Makriv, Shekohen Gadol, Makriv, Chelek Barosh, Venotel Chelek Barosh. On a appris dans la Mishnah précédente que durant les 7 jours qui précèdent Yom Kippour, le Kohen Gadol devait se retirer de sa maison pour partir dans sa petite chambre qui était au Beth Amikdash, appelée la Lishkat Palédrine, et durant une semaine, il ne sortait plus de l'enceinte de Harabait du Beth Amikdash. D'accord? Il devait s'éduquer durant ces 7 jours à faire la Voda, comme ce qu'on va commencer à voir justement. La Mishnah me dit « Kol Shivat Hayamim » durant les 7 jours, ou Zorek et Adam, c'est lui qui va asperger le sang du Korban Tamid. Le but, le principe, il est de se faire la main à la Avoda. Le Kohen Gadol, il n'était pas tous les jours de l'année au Beth Amikdash. Lorsqu'il voulait y venir, il n'était pas obligé d'être là tout le temps. Donc du coup, peut-être qu'il avait oublié comment on faisait une shrita exactement, de quelle manière on se dirige, on asperge, les petits détails des halachot, d'accord? Toujours avant chaque fête, il faut faire la halachot, même si on a pris le lulav tous les ans, avant d'arriver à la mitzvah de Soukhot, on vérifie, on se rappelle comment il faut tenir le loulav, comment il faut les disposer, comment il faut... D'accord? Normal. Donc, même chose pour le Kohen Gadol, il approche, à l'approche de Yom Kippour, durant les 7 jours, c'est lui qui va asperger le sang du Korban Tamid. Au Maktir Taktoret, il va aussi partir brûler l'encens, la Ktoret, comme on a l'occasion de découvrir longuement le rituel de l'encens à Yom Kippour. Là, pour le moment, c'est dans son sens simple, dans le sens qu'on faisait tous les jours. Un demi mané le matin, un demi mané l'après-midi. Ou Métiv et Anerot, il partait aussi arranger les Nerot, les bougies, les veilleuses de la menorah. Il devait partir enlever le pécham, lorsque la mèche brûle, vous voyez, une mèche qui brûle. Elle fait à la fin une sorte de charbon qu'il faut couper pour qu'elle refasse une belle flamme. Ou Makriv est à roche, est à régaler. En plus de ça, une fois qu'il a fini la shrita, il devait même aussi prendre la tête et le pied. Alors, on aura l'occasion de découvrir dans les prochaines Mishnayot, le Korban Tamid, il était disséqué en plusieurs morceaux, tout un rituel qui avait plusieurs kohanim qui allaient prendre chacun une part, et la première part qu'il fallait faire monter, c'était la tête avec le pied aussi. On expliquera pourquoi exactement. Mais donc du coup, le Kohen Gadol, il va prendre cette première part, et c'est lui qui va la monter tous les jours sur le misbar pour aller la brûler. Et à part ça, par contre, Ushar Kolayamim, par contre, durant les autres jours de l'année, alors il n'est pas obligé de le faire. Imratza le'akriv makriv. S'il voulait faire ces avodot-là, il arrive au Beth Amikdash un jour, il disait aujourd'hui, allez, c'est moi qui fais la avoda. Du coup, tous les Kohanim se mettaient de côté et c'est lui qui prenait et qui allait faire le Korban Tamid. Alors qu'en temps normal, les Kohanim avaient un procédé spécial pour désigner qui allait faire le Korban Tamid avec tirage au sort, comme on le découvrira ensuite. Agave, entre parenthèses, c'est des sujets qu'on a déjà tout appris dans ma Sechet Tamid, mais qu'on va revoir dans Yoma. Pour le Kohen Gadol, lorsqu'il arrive au Beth Amikdash, il reste à la Kriv Makriv. Si il veut lui faire la Avoda, eh bien il a le droit. Pourquoi? Chez Kohen Gadol Makriv Chelek Barosh, car le Kohen Gadol Makriv Chel, et c'est lui qui va apporter, il va faire le Korban, ça vient du même mot Karov, la Kriv, rapprocher, il va faire le Korban, il va. Chelek, c'est lui qui offre le premier Chelek Barosh en premier, c'est lui qui décide, qui prend la priorité sur n'importe qui. Venotel Chelek Barosh aussi, lorsque vient le moment de manger les kochim qui ont été offerts aujourd'hui, il y avait certains kochim qui étaient mangés, le Korban Khatat, alors, par exemple, ou les pains aussi du Beth Amikdash, eh bien, il prenait toujours Venotel Chelek Barosh, c'est lui le premier qui va et qui se sert une belle part. Mana yafa chez Yvcharlo, une belle part, il rapporte le Bartenora pour les coachés Misbeach. Et voilà, c'était les droits qu'il avait le Kohen Gadol. Donc, en semaine, en temps normal,
S'il voulait, il le faisait, mais il n'était pas obligé ni de venir ni rien. Durant les 7 jours, c'était lui qui devait faire l'avoda pour s'habituer à faire l'avoda du Beth Amikdash. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.